هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Allah qui a créé l'homme. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur les cieux. Le cieux des prophètes Mohammed qui a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ça dans des hadiths authentiques. Le meilleur d'entre vous est la personne qui apprend le Coran et l'enseigne. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à la phase d'apprentissage. Nous sommes à la phase d'initiation à la lecture du Saint-Coran. À travers la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc nous allons commencer maintenant à chercher comment lire le Saint-Coran. Parce qu'il a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend. Celui qui apprend quoi? Le Saint-Coran. Donc à travers la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons s'engager à apprendre le Saint-Coran. Comment il faut apprendre le Saint-Coran maintenant? Donc nous sommes là aujourd'hui pour démontrer un peu comment il faut apprendre le Saint-Coran. L'apprentissage du Saint-Coran a plusieurs méthodes. Maintenant, nous avons ici aujourd'hui, comme première leçon, première édition, des méthodes très simples, très faciles à comprendre, Inch'Allah. Et nous allons aller ensemble, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 73, verset 4. Il a dit, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. C'est une recommandation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de lire le Saint-Coran comme il faut. De lire le Saint-Coran comme ça se doit. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. C'est-à-dire lire le Saint-Coran comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait descendre sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La manière dont l'ange Gabriel a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de cette manière qu'il faut lire le Saint-Coran. Ça veut dire la prononciation des lettres, la bonne prononciation des lettres. Ce verset maintenant nous demande maintenant de lire le Coran tout en bien prononçant les lettres, la prononciation. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit aussi dans un autre hadith authentique, Al-Mahir bil Quran ma'a safarat al-kiram al-barara. Al-Mahir bil Quran, la personne qui est douée dans le Saint-Coran, la personne qui maîtrise bien la lecture du Saint-Coran, la personne qui lit le Coran tout en pratiquant la prononciation des lettres, tout en pratiquant, disons, les règles, toutes les règles de la lecture du Saint-Coran, que cette personne aura la valeur d'un ange le jour du jugement, le jour de la résurrection. Donc voilà pourquoi nous allons commencer par comment il faut apprendre les lettres, comment il faut prononcer les lettres. Maintenant, avant de commencer la leçon, là maintenant, l'objectif c'est de lire le Saint-Coran en arabe et non en français. Lire le Saint-Coran en arabe. Maintenant, il faut connaître maintenant la différence entre la langue arabe et la langue française. La position, la direction. Si nous prenons maintenant, ici c'est la langue française.
Le prenez ici, c'est la langue arabe. Vous allez voir qu'il y a la différence entre ces deux langues. Disons, en langue arabe, maintenant, nous avons combien de lettres? Nous avons 28 lettres. Nous avons 28 lettres. Nous avons 28 lettres. Il y a d'autres qui disent aussi 29 lettres. Donc, 28 lettres en arabe. Et nous avons en français combien de lettres? 28 lettres en arabe. Et nous avons en français 26 lettres. Vous voyez? Nous avons 26 lettres en français. Donc déjà, c'est une différence. Vous allez voir qu'il y a des lettres hein, qui n'ont pas leur correspondance en français. Là maintenant, la direction, vous allez trouver qu'en arabe, pour écrire en arabe, il faut commencer de droite vers la gauche. Tandis qu'en français, il faut commencer de gauche vers la droite. Là aussi, c'est une différence. Vous allez trouver qu'en français, nous avons 26 lettres. Nous avons 20 consonnes. 20 consonnes et 6 voyelles. Tandis qu'en arabe, toutes les 28 lettres sont des consonnes. Ça, c'est une différence aussi entre les deux langues. Donc là, maintenant, il faut savoir que si toutes les 28 lettres sont des consonnes, maintenant, en arabe, il faut forcément avoir les voyelles pour pouvoir lire les lettres. Sans voyelles, les lettres sans voyelles en arabe, c'est impossible de lire. C'est là maintenant, nous allons choisir, en arabe aussi, nous avons plusieurs voyelles. Mais nous allons choisir une par défaut. Une voyelle par défaut. Cette voyelle, en arabe, s'écrit comme ça. Le trait là représente la lettre. Le trait représente la lettre. Le petit trait en couleur, c'est ça, la voyelle. Nous allons utiliser ça aujourd'hui pour lire les lettres que nous allons étudier tout de suite. Maintenant, cette voyelle-là représente quoi en français? C'est ça qui représente A en français. Cette voyelle, disons, donne le son A aux lettres en arabe. Donc maintenant, la ligne que vous voyez ici, cette ligne représente dans vos cahiers la grande ligne dans le cahier. Parce que l'objectif, c'est de savoir écrire et lire. Savoir écrire et lire. Donc pour savoir écrire aussi, les lignes jouent une grande... Le rôle des lignes est très 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 important dans l'écriture. Donc on doit suivre bien les lignes. Donc ces lignes-là représentent la grande ligne dans le cahier. Donc si vous prenez vos cahiers maintenant, vous allez commencer par du côté droit, si vous voulez écrire en arabe. Et vous commencez à ouvrir. Donc on écrit de droite vers la gauche. Maintenant, il faut bien suivre la démarche. Pour écrire une lettre en arabe, chaque lettre, il y a des démarches pour écrire ces lettres-là. Maintenant, la première lettre en arabe, regardez comment on écrit cette lettre. Parce qu'on a dit l'objectif, c'est de savoir écrire et lire en arabe. Regardez cette lettre et regardez bien la position. Je commence en haut et je descends. Voilà la première lettre en arabe. Cette lettre, c'est une lettre qui n'a pas de voyelle. Maintenant, comment lire cette lettre sans voyelle? On a dit toutes les lettres ici sont des consonnes.
Forcément, il faut une voyelle sur cette lettre-là pour pouvoir lire. Donc, en première position, déjà, on ne pourra pas lire cette lettre sans voyelle. Maintenant, la voyelle que nous avons choisie ici, la voyelle A. Cette voyelle-là, nous allons l'utiliser maintenant. Et cette voyelle-là se place toujours en dessous de la lettre. Maintenant, je place la voyelle sur la lettre. J'ai placé la voyelle. Et vous voyez, maintenant, j'ai totalement la lettre qui porte la voyelle A. Et nous avons cette lettre, c'est la lettre A. La lettre A. Vous lisez, vous répétez ça plusieurs fois. Et ensuite, vous cherchez, cette lettre-là ressemble, la ressemblance de cette lettre, elle ressemble à quoi? Chacun de vous peut donner un exemple. Cette lettre-là ressemble à quoi? Donc, quand tu donnes un exemple, par exemple, quelqu'un peut dire, cette lettre-là ressemble à un bâton. Il a raison, ça ressemble à un bâton. Quelqu'un d'autre aussi peut dire, cette lettre ressemble à la lettre I. En français, il a aussi raison. Donc, chacun de vous peut avoir un exemple de forme de cette lettre, de ressemblance de cette lettre. Donc, vous avez la lettre A. A. Comme le A en français. La lettre A. Si vous voulez, au début, on peut vous aider un peu à écrire. La transcription sympa de baser sur la transcription. Donc, nous avons la lettre A. Vous répétez ça plusieurs fois pour avoir le son, pour avoir le point de sortie de cette lettre. La lettre A. 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 Ensuite, la deuxième lettre, vous allez suivre la démarche de cette lettre. Comment il faut faire pour écrire cette lettre? Maintenant, voilà ma deuxième lettre. Vous voyez, je commence et la lettre est comme ça sur la ligne. La lettre est posée sur la ligne. Elle ne dépasse pas la ligne. Vous voyez? Ensuite, il y a un point avec cette lettre. Il y a un point en bas. Et j'ai fini de dessiner ma lettre. Disons, j'ai fini de dessiner ma lettre. Toujours, c'est la même chose. On vous a dit, toutes les lettres en arabe sont des consonnes. Donc, c'est impossible de lire. Il faut forcément placer encore la même voyelle. Et je place la voyelle. J'ai placé la voyelle. Vous voyez? Là maintenant, je peux lire cette lettre. Et nous avons la lettre Ba. Pour prononcer cette lettre, on ferme la bouche et on délaisse les deux lèvres. La bouche est fermée d'abord. Ba. Vous voyez, non? La bouche est fermée et pour prononcer Ba. Ba. C'est pour dire tout juste ça, tout de suite, que le point de sortie de ces lettres-là, c'est entre les deux lettres. Il y a quelqu'un qui peut dire maintenant que cette lettre ressemble à un bateau, hein, ou bien quelque chose comme ça, à un calebasse, hein, qui a un point en bas. Donc, et c'est comme ça, la lettre Ba. Je vous ai dit pour le début, on peut toujours vous accompagner avec la transcription, avec la transcription. Vous voyez? Avec la transcription. Mais notre objectif, ce n'est pas cette transcription. C'est de lire uniquement en arabe. Au fur et à mesure, si nous évoluons, nous allons laisser totalement la transcription. Donc, nous avons ici la lettre Ba. Donc, la première lettre, c'est la lettre A. La deuxième lettre, c'est la lettre Ba. Et chacun de vous va essayer d'écrire ça tout en suivant les démarches que j'ai fait pour écrire cette lettre. J'espère que tout le monde a écrit déjà la lettre A. Chacun de vous aussi a écrit déjà la lettre Ba avec une bonne écriture. Maintenant, on peut continuer avec
La troisième lettre a la même forme que la deuxième lettre. La troisième lettre a la même forme que la deuxième. Mais la différence, c'est que cette fois-ci, cette lettre a deux points. Cette lettre a deux points en haut. Vous voyez? Donc toujours, une lettre sans voyelle, impossible. À notre niveau ici, c'est impossible de lettre. Donc forcément, il faut placer toujours la voyelle A. La voyelle A est là sur la lettre. Et nous avons la lettre TA. 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 Vous voyez le son. La langue doit toucher un peu le bout des langues, la source des dents de haut. Donc la langue doit toucher là-bas et on délaisse ça un peu. Ta, ta. Et voilà comment il faut prononcer cette lettre. Maintenant, toujours, si je vous demandais maintenant, qui peut me donner un mot où on peut entendre le son A? Quelqu'un peut me dire Ali, il y a le son A dedans. Vous voyez, non? Allah, il y a le son A dedans. Ahmad, il y a le son A au début. Donc, ça va vous aider maintenant à garder le son de la lettre. La même chose, la deuxième lettre, qui peut me donner maintenant un son ou un mot, que ce soit en français, que ce soit en bambara, que ce soit en korbolo. Donne-moi un mot seulement qui donne le son ba. Vous voyez, non? Quelqu'un peut dire, hein? Bara, bara, ba. J'ai le son ba dedans. Donc toujours, quand vous continuez, il faut chercher à avoir un mot où on trouve le son de la lettre dedans. Et si nous avons la lettre ta, si je vous demande maintenant de donner un mot où on trouve le son ta dedans, quelqu'un peut donner, ou bien plusieurs personnes peuvent donner des mots, de différentes sortes de mots. Ta, table, ta, il y a le son ta dedans. Vous voyez, non? Ainsi de suite. Donc, nous avons ici la lettre A. Il ne faut pas baser sur ça. Nous avons ici la lettre BA. Vous voyez la forme de la lettre. D'autres personnes peuvent poser la question. Le point, on peut amener le point là au milieu. Mais vous voyez que j'ai amené le point là vers le côté droite. Donc, il y a un objectif dedans. Pourquoi on a placé le point là vers le côté droite? Donc, au fur et à mesure, la prochaine fois, Inch'Allah, vous allez savoir le pourquoi. Et ici, nous avons la lettre TA. 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 Quand vous écrivez, vous répétez la lettre, vous répétez hein, la prononciation de la lettre pour pouvoir garder la prononciation de cette lettre. Maintenant, la quatrième lettre a la même forme que la deuxième et la troisième. Vous voyez? La même forme que la deuxième et la troisième. Vous voyez? Maintenant, cette fois-ci, cette lettre a trois points à la forme de triangle isocèle. Vous voyez? Cette lettre a trois points à la forme de triangle isocèle. Si vous faites comme ça, voilà le triangle. Donc, le point à la, les points là sont à cette forme. Maintenant, pour pouvoir lire la lettre, toujours, je place la voyelle. J'ai placé la voyelle. Cette fois-ci, cette lettre, c'est une lettre qui est vraiment spéciale, qui n'a pas sa correspondance en français. Parce qu'en arabe, on a plusieurs lettres en arabe. Maintenant, cette lettre, il faut bien écouter l'encadreur, il faut bien écouter le son. C'est la lettre FA. 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 Cette lettre, pour bien prononcer cette lettre, on place la langue entre les dents. On place la langue, le bout de la langue sort un peu de la bouche entre les dents. Fa. Fa. La lettre fa. Fa. Donc cette lettre, on peut vous aider un peu aussi avec la transcription.
Et vous allez voir que c'est la lettre Fa. C'est pour vous aider un peu. Mais on n'a pas besoin de la transcription, toujours. Vous voyez? Donc, il faut faire attention à cette lettre. Attention à cette lettre. Parce qu'elle n'a pas de correspondance en français. Si je vous demande maintenant de me donner un mot où on trouve le son Fa dedans, ça serait difficile. Parce que c'est une lettre qui n'a pas sa correspondance en français. Qu'Allah nous protège. Vous voyez, non? Maintenant, regardez entre les trois lettres. Il faut chercher à faire la différence entre ces trois lettres. Ok? Si je vous posais la question maintenant, quelle est la différence entre ces trois lettres? Je suis sûr que les gens vont répondre. La différence, c'est quoi? C'est que ces trois lettres ont la même forme. La même forme. Et là, maintenant, il faut faire très, très attention. Mais la différence ici entre les trois lettres, c'est les points. C'est les points. Là, maintenant, il faut faire très, très attention aux points. Il faut faire très attention aux points. Vous voyez, non? Le bas a un point en bas. Le ta, deux points en haut. Et le sa, trois points en haut aussi. Donc, on peut continuer avec la lettre suivante. Il faut suivre bien le démarche pour écrire cette lettre. Vous connaissez tous la lettre C en français. Donc, il faut essayer de placer, suivez bien le démarche, la lettre C sous la ligne comme ça. La lettre C sous la ligne. Ensuite, je forme la tête ou bien le bec d'un oiseau comme ça. Vous voyez? Et vous avez déjà la lettre. Mais cette lettre a un point à l'intérieur du C. À l'intérieur du grand C qui est écrit sous la ligne, il y a un point à l'intérieur. Et j'ai fini de dessiner ma lettre. C'est OK? Donc, il faut suivre la démarche comme ça pour pouvoir bien écrire la lettre. Je dessine un grand C sous la ligne. Et je forme le bec d'un oiseau. Toujours, je place la voyelle. On a dit cette voyelle se place toujours en haut de la des lettres. Maintenant, j'ai fini de dessiner la lettre et j'ai déjà placé la voyelle. Et nous avons la lettre Dja. Nous avons la lettre Dja. Vous répétez la lettre Dja. 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 Vous voyez, non? La lettre Dja. C'est OK? Donc, qui peut me donner un mot maintenant? Le mot où on peut trouver le son Dja dedans. Vous voyez, non? Quelqu'un peut me dire Djara. Il y a le son Dja. Hein, ainsi de suite, il y a plusieurs mots, que ce soit en bambara, en français, en arabe, il y a plusieurs mots où on peut trouver le son Dja dedans. C'est OK? La lettre suivante a la même forme textuellement que celle. Donc, tu fais la même chose. Je fais un grand C sous la ligne. Ensuite, je forme le bec d'un oiseau. Et c'est la même chose. La même forme. Mais cette fois-ci, cette lettre n'a pas de point. Maintenant, je place la voyelle. Toujours, il faut placer la voyelle. Une lettre sans voyelle, c'est impossible de lire. J'ai placé la voyelle. J'ai placé la voyelle. Et nous avons la lettre Ha. 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 Il y a un son lisse, il y a un son douce avec cette lettre-là. Sans ce son-là, ça veut dire que tu n'as pas bien prononcé la lettre. Ha. Ha. Comme le début de la sourate al-Fatiha, Alhamdu. Alhamdu. Vous voyez, plusieurs d'entre nous, quand ils commencent à lire la sourate al-Fatiha, ils disent Alhamdu. Alhamdu. Ça veut dire que cette personne n'a pas bien prononcé la lettre.
C'est la lettre Ha. Vous faites très attention aussi avec cette lettre. Il y a plusieurs personnes qui prononcent mal, très très mal avec cette lettre-là. Donc il ne faut jamais confondre la lettre Ha et la lettre A. Il y a A ici, mais ici c'est Ha. Ha. Vous voyez, il y a le son qui vient. Ha. Ha. Quand tu lis cette lettre et que tu sens que tu n'as pas ce son-là, ça veut dire que tu as raté la prononciation de la lettre. C'est OK? Donc, il faut répéter plusieurs fois. Cha, cha, cha. Pas de gratitude. On ne doit pas cracher, on ne doit pas gratter la gorge. Mais c'est très lisse, très douce. Cha. Vous voyez, non? Toujours, on peut vous aider avec la transcription. Voilà. Nous avons la lettre Cha. C'est OK? Nous avons la lettre Cha. C'est la sixième lettre, la lettre Cha. Et Inch'Allah, aujourd'hui on va étudier cette lettre. Et c'est la dernière lettre, Inch'Allah, pour la leçon d'aujourd'hui. La dernière lettre a la même forme toujours que la cinquième et la sixième. C'est la même forme textuellement. Et qu'est-ce que nous avons dit pour écrire ou bien pour dessiner, disons, la lettre? La cinquième et la sixième lettre, il faut placer un grand C sous la ligne. Un grand C, ça c'est C en français. Tu places un grand C sous la ligne. Ensuite, tu fais le bec d'un oiseau et j'ai la lettre. J'ai la forme de la lettre. Maintenant, cette fois-ci, pour faire la différence entre les trois lettres, les trois dernières lettres, il y a un point ici. Il y a un point en haut de la lettre, de la septième lettre. Là maintenant, il faut faire très 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 attention à cette lettre aussi. Pour pouvoir lire, je place la voyelle. Mais cette lettre, comme nom, c'est pour pouvoir lire le Saint-Coran. Et d'habitude, la lecture du Saint-Coran, nous utilisons la lecture Hafs. Hafs. Donc c'est ça qui va nous pousser maintenant à lire cette lettre-là de façon différente. Maintenant, cette lettre-là maintenant, c'est là maintenant il faut cracher un peu la gorge. Il faut gratter un peu la gorge. Avec le son O. Avec le son O. Et on dit maintenant CHO. CHO. Vous voyez non? CHO. La lettre CHO. Il y a d'autres personnes qui disent la lettre CHA. La lettre Kha, quelle est la différence entre la lettre Kha et la lettre Kho? Moi, je vous dirais, cette lettre-là, pour lire le Coran avec la lecture Hafs, il faut le lire dès maintenant O. Donc, c'est la lettre Kho, Kho, tout en grattant un peu légèrement la gorge. Kho, 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 mais avec le son O. Parce que en lecture, dans la lecture de Hafs, quand tu lis avec le son A, Kha est considéré comme une erreur. Mais en langue arabe, quand tu lis en langue arabe, autre que le Coran, tu peux prononcer cette lettre-là, Kha, tu n'as pas de problème. Mais quand tu lis le Coran avec la lecture Hafs, il faut prononcer ça avec le son O. Donc on dit Kha, Kha, Kha. Ça aussi, pour pouvoir vous aider un peu, on fait ça avec le son O. Et on lit ça, CHO, CHO, CHO. C'est ça maintenant qui va nous pousser à vous expliquer. On a dit, cette voyelle-là a le son A. Mais vous voyez que ici, on a donné le son O. Ce son exceptionnel. Vous allez trouver que cette voyelle-là donne le son A ou le son O. Cette même voyelle, ça donne des fois le son A. Naturellement, elle donne le son A aux lettres. Depuis qu'on a commencé, on a dit A, Ba, toujours c'est le son A. Ta, Ta, Sa,
sa, ja, ha. Mais ici maintenant, on a changé le son, on a dit ho. Donc ça veut dire que cette voyelle-là, la voyelle a ou la voyelle o, ça donne le son a ou le son o. Donc voilà, inshallah, pour aujourd'hui, nous allons prendre ces sept lettres-là. Les sept premières lettres. Donc, chacun de vous doit pouvoir maîtriser ces lettres-là. La lettre fa, ja, ha, 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 ha. Très lisse. C'est pas a. C'est a. Mais ici, c'est ha, ha. Et la lettre ho. 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 Comme dans la sourate Al-Falaq, quand on dit min sharri ma khalaq, khalaq. Vous voyez, non? Quand quelqu'un lit la sourate Al-Falaq, il dit min sharri ma khalaq. On tape le table. On dit que c'est une erreur. Cette lettre-là a le son O, avec le son O. Donc c'est kho. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Voilà les sept lettres qu'on doit bien étudier et bien maîtriser, vu tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, vu les mérites du Saint-Coran. Quand tu lis une seule lettre, tu as 10 bénédictions. Mais il faut bien prononcer la lettre. La bonne prononciation des lettres nous donne des valeurs. Des valeurs. Pour avoir la valeur d'un ange, il faut lire le Coran tout en prononçant très bien, hein, les lettres-là, pour avoir la valeur d'un ange. Avoir la valeur d'un ange, je ne vois pas qu'est-ce que l'homme peut faire ici, bas monde, pour avoir la valeur d'un ange le jour de jugement, si ce n'est pas à travers de la bonne lecture du Saint-Coran. Donc, vous allez les maîtriser, mais vous allez les maîtriser sans la transcription. Sans la transcription. Il faut les maîtriser en tant que, en langue arabe. Donc, je vous donne comme exercice à faire avant la prochaine leçon, une lettre sur une page. Chaque lettre, il faut écrire ça sur une page. Quand tu prends la page, voilà la page. La première page est comme ça. Donc tu vas remplir maintenant la page là avec une seule lettre. Tu écris la lettre. Tu écris la lettre. Et tu lis. A. Tu reviens, il ne faut pas les coller. Tu les distingues bien, tu écris la lettre et tu lis A. Tu écris la lettre et tu lis A jusqu'à remplir la page. Tu reviens à la deuxième page. La deuxième page, tu prends la lettre Ba. Tu répètes ça plusieurs fois. Tu écris ça très bien. Ba. C'est pour te permettre maintenant d'avoir l'écriture et la lecture à la fois. Lire et écrire. Tu continues la lettre ba. Tu continues la lettre ba jusqu'à remplir la page. Et tu prends encore une autre page. Tu prends avec la lettre ta ainsi de suite. Ça veut dire que vous avez sept pages. Vous avez sept pages à remplir. Chaque page. C'est OK? Inch'Allah. Donc avec ça, ça va vous aider maintenant à garder la forme de la lettre. Et ça va vous aider maintenant à garder la prononciation de la lettre. Et vous allez essayer maintenant de mélanger. On n'a pas besoin de lire ces lettres-là en ordre. Comme le chanson Abatasa, non. Il faut connaître la lettre. Tu dois chercher à reconnaître la lettre. N'importe comment, ces lettres-là seront mélangées maintenant. Tu pourras les détecter et les lire. Donc, il faut chercher à connaître la lettre en tant que telle et non de mémoriser. Ce n'est pas pour la mémorisation, mais c'est pour connaître les lettres en arabe. Qu'Allah nous facilite la lecture du Saint-Coran et qu'Allah nous protège et qu'il nous favorise les mérites de la bonne lecture du Saint-Coran. Donc, je pense que c'est la première fois pour épuiser de vos temps, Inch'Allah. Donc, je pense que c'est bien comme ça. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Naqulu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamu wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Je suis votre frère Ali Fambaré Ouattara.